Bonjour tout le monde, c'est YoPoké88. Donc je tourne cette vidéo à la suite de la première ouverture du coffret Lansaria. Donc j'ai mis les cartes qui dans le portfolio. Donc il me manque, j'en ai eu que 7 différentes de la série normale. Donc j'ai toujours pas mis pour l'instant le Karchakrok niveau X de Cynthia et le Lansaria Prime promo. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir le seul Minitin que j'ai pu trouver. J'espère en trouver d'autres pour avoir au moins toutes les boîtes différentes. Donc voilà, on va essayer de compléter ceci et avoir au moins une carte ultra ou secrète ou peu importe. Donc, dans la Minitin, on a un jeton de Pikachu des 25 ans, m'a effet brillant et argenté, on va dire. Et alors que celui du Lansaurien, il était doré et voilà, doré. Ils sont beaux. En plus, c'est des gros jetons, c'est pas des petits jetons qu'on a dans les séries normales. Donc la carte de l'illustration de la boîte. Normalement, on a les 4, 8 différentes boîtes avec les différentes starters de chaque saison, on va dire chaque génération, voilà, je voulais dire. Donc là on a Tortipouss, Wistimpo et Tiplouf. Donc voilà, à l'intérieur on a donc deux boosters génération. Ah, il y a encore du règne de glace, super. C'est exactement la même chose que le coffret Lansaurien, donc super. Si désolé, voilà, si vous n'avez pas vu ce qui est écrit derrière la boîte, je sais pas si le focus se fait ou pas. Voilà, donc deux boosters de 4 cartes célébration et un booster supplémentaire. D'accord, donc celui-là j'ai payé à 12,99. Je trouve un peu cher. Généralement, les tin box c'est à 11,99 ou 10 euros. Là, ils ont mis un peu plus cher vu que la hype au Pokémon fait que tout est augmenté, que ce soit pour les magasins, et dans les magasins spécialisés, les prix sont exagérés. Donc on va commencer par le règne de glace comme la dernière fois, en espérant que il va nous apporter chance à ce booster, mais j'y crois vraiment pas. Donc voici le code. Donc 1, 2, 3, 4. Donc énergie, Bastien, Fogler, Sophora, Ramolos de Galar, Smogo, Tutafé de Galar, Stalgamin, Croquine. Oh, il est pas mal, en plus une rare reverse, Branette. Et en rare, c'est Blizzard. Donc simple rare. Le centrage est pas top aussi. On est trop vers. On a trop de mar de. En haut, il est trop gros. En bas, il est trop petit. Donc voilà pour le premier booster qui était du règne de glace. Donc nos deux boosters célébration. En espérant y avoir quelque chose. En plus, je vous ai pas montré dans la première vidéo comment ils étaient les boosters avec tous les starters. Donc derrière, célébrer le plus grand moment de Pokémon vécu en plus de 25 ans d'aventure aux côtés de vos Pokémon préférés tels que Mew, Ho-Oh, Luana, voilà. Donc c'est écrit là, je sais pas si vous voulez voir. Zamazenta. Donc voilà. Mais vu que les prix étaient un peu plus chers même dans les magasins, que généralement quand j'achète des coffrets ou des trucs, j'achète dans des magasins genre King Jouet, des magasins de jeux d'enfants, King Jouet, Cultura, Jouet Club, etc. Ben, franchement là les prix c'était exagéré quoi. Donc voici le code. Ah c'est pareil, célébration n'est pas écrit en entier. Du moins, eux ils sont pas mis. Ah, déjà une double.
Cosmovum, je l'ai déjà. Ah, celui-là, je l'ai pas. Lugia. Pardon, excusez-moi. Super belle la carte en plus. Palkia. Donc pas de reprint. Palkia, je crois que... Non, je l'ai pas. Ah, et ça, je l'ai déjà aussi. Recherche professeur Chen. Donc deux cartes que j'ai pas et deux que j'ai déjà. En trois boosters ouverts, j'ai déjà deux doubles. Donc dernier booster. Ah, Luf, déjà Lugia que j'y viens d'avoir. Encore Cosmovum que j'ai déjà. Ah, ben le Dracaufeu. C'est le premier Dracaufeu que je sors dans une de mes vidéos. Et super. Dans une tin box, quoi. Dans une mini tin, je veux dire. Mais super, je suis très content. Personnellement, c'est une carte que je voulais avoir, mais pas dans mes priorités. Je voulais plutôt avoir les Mew. Bah, je suis très content de l'avoir. Qui serait pas content d'avoir un Dracaufeu? Et encore recherche. Ben, en final, j'ai rien eu de pour compléter. À part ces deux-là. Super. Ma Dracaufeu, super. Ah, je suis très content. Au moins, j'ai aussi une ultra. Mais bizarrement, j'ai pas d'ultra. Les Pikachu, Surfer et tout, j'ai pas de la série normale. Là, c'est un peu chiant. Mais voilà. Donc, dans le récapitulatif de cette vidéo, j'ai eu ces deux nouvelles cartes, Palkia et Lugia, que je peux mettre dans mon portfolio. Et Dracaufeu, une reprint du set de base. C'est la 4 sur 102 en full art aussi. Ben super, je suis très content. Je m'attendais pas, je pensais avoir au moins. Oui, une ultra, mais pas lui. Super. Après, le centrage laisse à désirer. Hein. En haut, on a un super. Il est super haut et en bas, pas tellement. Je peux regarder l'arrière. Et il y a un point blanc ici déjà. Après, moi, ça m'est égal tout ça parce que les cartes. Ah, un autre aussi en plein milieu ici. Les cartes, ça reste pour moi dans ma collection. Je les fais pas grader et tout. Donc voilà. Bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous. De laisser un pouce bleu, laisser un commentaire. Vous abonner à la chaîne. Activer la cloche de notification. Pour une petite. Une petite ouverture d'une tin box, mini tin veut dire. Ben, super, avoir une ultra comme ça, c'est super. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, bye bye!